commencer, bien joué. Ouais, merci, c'est plutôt à eux qu'il faut dire bien joué. Qu'en avez-vous pensé du match? Ouais, voilà, on a, en première mi-temps, on a un peu subi, hein, on était un peu acculé. Voilà, ils ont eu la possession du ballon, on a bien défendu en équipe, et puis en deuxième mi-temps, on s'est créé quelques occasions un peu en contre. Mais c'est vrai qu'ils ont un peu relâché la pression en deuxième mi-temps. Le match, ouais, en première mi-temps, c'était pas mal au niveau la circulation du ballon, mais il manque réellement du rythme. Puis en deuxième mi-temps, on a une équipe très jeune, c'est un peu normal qu'on subisse, parce qu'en face, c'est comme une très bonne équipe. Mais dans l'ensemble, ça va encore, c'est un match moyen, on va dire. Qu'est-ce que vous avez pensé de jouer contre? C'était comment? C'est passé difficilement ou facilement? Contre les trois Lascars. On va dire que j'étais content de jouer contre eux, parce que c'est vrai que c'est des très bons amis. Mais on voit que Tom, il est passé des plus mauvais pieds de Première Ligue à des bons pieds de Deuxième Ligue. Puis après, il y a toujours le Rosiol en défense, c'est quand même très solide. Puis le Dion qui est quand même pas mal techniquement, mais c'est un grand plaisir de jouer contre eux. Et toi, Tom? Ouais, c'est un plaisir de jouer contre eux. C'est clair que voilà, on a passé 8 ans ici. C'est clair que c'est des bons souvenirs. Puis ben, on a pu se rappeler que Bastien, il avait une charrette sur cette accélération de notre attaquant. Il l'a laissé à 3 mètres sur 2 mètres. Donc on a pu voir que voilà, ça n'a pas changé, ça. Merci beaucoup. Hein. Merci. Hein. Merci. Qu'en avez-vous pensé du match? Bah, c'était un bon match. C'était, y avait un bel enjeu, on a joué contre les anciens joueurs des SR et tout, c'était pas mal. C'était cool. Et toi? Non, comme il a dit, c'était un match amical, mais c'est vrai qu'il y avait un peu plus d'envie que d'habitude vu qu'on jouait contre nos anciens potes. Bah, c'était un bon match, bien rythmé. Après, ils ont clairement dominé la première mi-temps, c'est bien défendu. Puis après, je dirais que la deuxième mi-temps était plutôt pour nous, on a eu quand même 4-5 occasions, mais voilà, hein, c'était, je pense, un score correct. Dio, quand c'est que tu reviens de Lémont? Pour l'instant, j'ai signé à Courtetel, donc je sais pas, mais on verra comment ça se passe à Courtetel déjà cette première année. On a un beau groupe, une bonne équipe, on a un bel objectif, donc pour l'instant, je suis bien ici. Et toi, tu penses qu'il revienne ou pas? Alors, ça c'est un choix personnel. Après, c'est clair que Jonis, il nous a fait beaucoup de bien la saison passée, c'était un joueur très important pour l'équipe. Et puis d'avoir un joueur comme ça avec la qualité, la vitesse, la percussion qu'il a et tout, ça fait toujours plaisir d'avoir. Et je pense que Courtetel, ils vont être contents d'avoir Johnny, c'est la vérité. Ça vous a fait plaisir de jouer contre? Ouais, franchement, c'était cool de revoir Johnny, Tom, Lionel. C'était un bon petit match, il y avait un petit peu de monde et tout, ça faisait plaisir avec le beau temps et tout. C'était cool. Et toi? Je ne me rappelle plus de la question. Est-ce que ça t'a plu de être contre eux? Ah oui, comme j'ai dit, de rejouer contre les anciens potes et tout, il y a toujours une certaine motivation où on a envie de montrer que genre on a fait le bon choix. Voilà, il y a un peu une rivalité entre guillemets quand tu joues contre un pote où tu as envie de gagner, mais c'est comme quand tu es jeune, tu fais un match contre tes potes. C'était un peu du même genre, le même enjeu, mais après c'était un match amical comme j'ai dit, mais voilà, c'était un bon match, bien rythmé, puis on en a pris du plaisir. Quoi. Lequel de vous deux a fait le meilleur match, vous pensez? Je sais pas. On a fait les deux un bon match, je crois. C'est pas à nous de juger, je sais pas. Moi, en première mi-temps, j'étais un peu absent. J'avais un autre poste un peu où j'ai pas touché trop de balles. Et où Mehdi a été quand même percutant sur le côté. Donc sa fameuse fête de centre, de frappe. Mais voilà, quoi. Et t'as pensé qu'il y avait but à la latte ou pas? Je la prends en fait comme elle vient. Je veux pas la mettre où elle va. J'aurais bien aimé qu'elle rentre, mais voilà, après... C'est comme ça. Avant le match, avez-vous discuté du match entre vous ou pas? On s'est un petit peu écrit avec Mehdi sur Messenger, où on était content de se retrouver, où on préparait aussi l'après-match, où on va aller boire un verre, puis passer une soirée tous ensemble. Merci.